rivers running dry, entire villages left with limited access to tap water. France braces for yet another bone-dry summer. To survive in a future of permanent shortages, the country has devised a battle plan to share, reuse, and save the precious resource. Notre commune a soif, très soif même, puisque depuis un an et trois mois, nous sommes ravitaillés par citernes. Quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule. Donc on ne se rend pas compte qu'il peut y avoir une pénurie ou une difficulté. Les années sont de plus en plus sèches, les hivers sont de moins en moins pluvieux et les nappes ne se rechargent pas comme elles devraient se recharger. Donc la commune a besoin de deux fois plus d'eau que ce que le château d'eau produit. Donc aujourd'hui, le camion citerne va se ravitailler en eau à une bouche incendie sur la commune de Laudun-l'Ardoise, donc, qui est située à peu près 20 km d'ici. Et donc il vient d'abord nous livrer et puis en fonction du nombre de citernes dont on a besoin par jour, eh bien, il retourne. Se reconnecter et remplir sa citerne ou pas. Aujourd'hui, on est monté à 14 rotations par semaine pour remplir la totalité du château d'eau. Les allers-retours de camions depuis l'an dernier jusqu'à aujourd'hui va nous coûter 350 000 euros à l'arrivée pour payer à la fois l'eau, puisqu'on la paye évidemment, et à la fois les camions et les rotations qui vont amener cette eau au château d'eau. Je ne pensais vraiment pas que nous serions un jour ravitaillés avec des camions, hein, des camions citernes. Là, nous sommes déjà en vigilance crise, donc il y a beaucoup d'interdictions. Dans l'ensemble, la population réagit bien et est consciente de toute façon des efforts qu'elle devra faire aussi dans le futur et des efforts qu'elle doit faire maintenant pour que ben, on puisse résorber ce problème. Ça fait des dizaines d'années qu'on est habitué à avoir une gestion de l'eau, à avoir une consommation de l'eau et ces habitudes doivent changer. Et ça, les changements, ben, c'est compliqué, ça s'accompagne et ça prend du temps. La solution pour amener de l'eau à Saint-Marcel-de-Carréré, c'est la connexion avec le village d'à côté. Donc c'est une canalisation de 6 km, un peu plus de 6 km, qui va coûter 2,5 millions d'euros et même un peu plus. Je serai bien sûr plus sereine quand la connexion sera faite, puisque ça nous assurera un certain... on n'aura plus besoin des camions citernes déjà, et donc au point de vue déjà financier et écologique, ce sera un poids en moins. On sera assuré d'avoir un minimum d'eau régulièrement dans le château d'eau. It's an alarming trend, one that's become all too familiar here in France as the country stands on the verge of a water crisis. The situation is this. Heat waves are becoming hotter and longer. Rainfall has dropped to dangerously low levels. Rivers are also running dry and water tables can barely replenish themselves. Overall, water supplies have fallen by 14% over the last 20 years, but dropped by 40% before the middle of the century. And there's another worrying scenario. The quality of drinking water could take a hit. Aquifer levels are so low that water trickling through the soil and rocks will not be properly filtered, making tap water undrinkable. Restrictions on the use of fresh water are now the new normal. As of April 2023, 45 departments had decided to impose limits, compared to 10 in 2022 and 7 the year before. The French government also rolling out a nationwide plan to reduce the country's water consumption by 10% before 2030. Following a winter of energy sobriety, the country has now entered the age of water sobriety, where planning for a future of drought is no longer an option. Ici,
Dans le sud de la France, on sait que l'eau est un bien précieux et qu'il est rare. Donc on investit beaucoup de moyens pour limiter les pertes en eau sur le réseau et préserver la ressource. Tous les jours, nous avons des techniciens qui réalisent de la recherche de fuite. Il faut savoir qu'une fuite sur un réseau d'eau potable génère un bruit. Et donc, avec des appareils acoustiques, nous traquons ces bruits et nous déterminons précisément la localisation des fuites sur le réseau. Généralement, nous réparons un peu plus de 400 fuites par an. Globalement, en France, les pertes en eau représentent 20% des volumes d'eau qui sont mis en distribution sur le réseau d'eau potable. Nous, ici, à Montpellier, on avait une perte en eau qui était quasiment de 17%. Là, en 2022, avec les efforts de recherche de fuite et les renouvellements de réseau, on a abaissé les pertes sur le réseau à un peu moins de 13%. Ça représente donc une économie de 2 millions de mètres cubes qui n'ont pas été mis donc en distribution sur le réseau et donc 2 millions de pertes évitées grâce à ces efforts d'amélioration du rendement du réseau. Les réseaux en France sont vieillissants, comme ici sur le territoire de la Régie des eaux de Montpellier. Donc effectivement, le renouvellement du réseau va devenir une priorité. L'amélioration du rendement de réseau également devient une priorité. Le mouvement, c'est sûr, en France s'accélère parce qu'il y a une prise de conscience du grand public, mais nous ici, ça fait des années que l'on œuvre dans ce sens et qu'on essaie de faire des économies sur la ressource en eau. Des pistes pour éviter le manque d'eau à l'avenir, c'est bien évidemment de réutiliser les eaux usées traitées. Saint-Dréséry est une station d'épuration dont on réutilise les eaux usées traitées pour irriguer deux parcelles. Une parcelle destinée au développement de la biodiversité et une parcelle destinée à la production de biomasse. Quand elle reçoit ses eaux, le premier traitement qu'elle y applique, c'est un dégrillage qui enlève les déchets grossiers qui sont présents dans l'eau. Ensuite, elles sont amenées jusqu'au bassin à boue activée qui contient des milliards de bactéries qui digèrent la pollution. L'idée, c'est de ne pas gaspiller l'eau, qu'elle soit de l'eau potable ou qu'elle soit de l'eau de réutilisation. Les haies et les saules sont arrosées en goutte à goutte. Uniquement en période estivale, au moment où on est en déficit hydrique, c'est de l'arrosage de survie en fait, c'est pas de l'arrosage de production. Dans le futur, nous projetons d'utiliser les eaux usées traitées des stations d'épuration pour d'autres usages et notamment des usages plus urbains, tels que le nettoyage de voiries ou la défense contre l'incendie, l'arrosage des espaces verts, voire même l'arrosage de cultures maraîchères. La réutilisation des eaux usées traitées, c'est une des solutions pour pallier au manque d'eau, mais ça ne doit pas être l'unique solution. Dans le cas des stations d'épuration qui rejettent directement en mer, on pourrait réutiliser potentiellement toute l'eau de rejet de la station d'épuration, mais la plupart des stations rurales rejettent dans des petites rivières qui sont régulièrement en déficit d'eau. Et les petites rivières comptent sur les stations d'épuration pour avoir de l'eau tout au long de l'année aujourd'hui. Et de ce fait, on ne pourra pas réutiliser toute l'eau de la station d'épuration pour des usages humains. The agriculture sector is also at the heart of France's water management strategy, as it already uses up about 80% of the country's fresh water reserves in summer. Farmers will need to adapt to a new reality, and it begins with crop varieties that can survive in dry conditions. Dans
laboratoire, nous travaillons sur l'adaptation des plantes à la sécheresse et plus généralement au changement climatique. Donc ça nous permet d'identifier des variétés plus tolérantes au déficit hydrique. Donc derrière moi, vous pouvez voir des plantes de blé que l'on cultive en serre. On travaille également sur d'autres céréales, telles que le maïs, et également sur la vigne. Les plantes, vous voyez, sont posées sur des balances. Donc on mesure en continu l'utilisation de l'eau, la transpiration de la plante. Pour mesurer la croissance des plantes, on va attacher le bout de la feuille à un fil qui va être relié à un capteur. Et en parallèle, on va pouvoir compter le nombre de tiges que va produire la plante et on va relier ça à l'utilisation de l'eau par la plante. Dans ce champ, nous cultivons 10 variétés. Et elles sont soumises à deux traitements, un traitement irrigué et un traitement qui n'est pas irrigué. Au champ, on va regarder en fait la conséquence d'un déficit hydrique, d'une sécheresse, en termes de croissance. Et donc on utilise des robots d'imagerie qui vont nous permettre de faire différents types d'images pour caractériser la croissance des plantes. Grâce à ce robot, on peut mesurer un millier de parcelles dans la journée. Et on peut donc caractériser un très grand nombre de variétés simultanément. On ne cherche pas en fait une variété magique qui va pouvoir se développer dans tous les environnements. Nos recherches vont déboucher sur la commercialisation, la mise à disposition des agriculteurs de nouvelles variétés adaptées aux futures conditions de croissance. Je pense qu'on peut être optimiste sur le futur de l'agriculture. Des solutions existent à condition d'accepter des changements profonds, non seulement des agriculteurs dans leur manière de produire, mais également dans la société, dans la manière de consommer, de se nourrir. Il va falloir s'adapter, mais la capacité de notre société d'adaptation est, je crois, très forte.